J'ai appris que tu voulais contacter DedSec. J'étais pas sûre que quelqu'un viendrait, vu que je fais partie du pouvoir. Enfin, avant qu'Albion dissolve le Parlement. Je vous jure, ce que vous avez fait à Westminster, c'est formidable. Vous avez redonné de l'espoir aux gens. Eh bien, le Parlement est pas tout blanc, mais on n'a pas trop le choix. Tout ce qui compte, c'est de réparer tout ce bordel. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je vous ai contacté. Albion ne s'est pas contenté d'étouffer le gouvernement. Ils ont aussi balancé leur propagande partout. Sur le palais de Westminster, sur Big Ben. Vous vous rendez compte du message que ça envoie? Si vous voulez donner aux gens l'envie de résister, le fait de redonner à la tour ses vraies couleurs sera déjà un grand pas de franchi. Ce serait au moins un symbole d'espoir. Ça prouverait aux gens qu'eux aussi ils peuvent se battre. On doit le faire. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ça va être magique d'entendre à nouveau cette cloche. C'était une fausse alerte. À vos postes. Le chemin qui mène au sommet de la tour est périlleux, plein d'obstacles et de passages étroits. 6 pattes mécaniques valent mieux que 2 jambes, comme on dit. Ça devrait être amusant.
Ça devrait le faire. C'était émouvant. Vraiment. Entendre à nouveau le son de cette cloche, revoir cette tour sans toutes ces cochonneries, c'est énorme pour les gens de ce borough. Cette horloge, c'est un emblème de Londres. Ça me rappelle pourquoi on se bat. Elle symbolise notre démocratie parlementaire. Qu'Albion ose la défigurer comme ça, ça montre bien leurs intentions. Merci, Detsec. Super bien joué. Tout Westminster va se soulever contre Albion après ça. Merci bien. Qu'est-ce qu'une armée sans ses combattants? Ça fait plaisir de te compter parmi nous. Tu m'étonnes. On va foutre un joyeux bordel. Magnifique. Impressionnant. Je reconnais, bravo.